dog. Yeah. Yo! Yes! Yes! Fire! Fire! Yeah, man, yeah! Yeah, yeah, yeah. Net. Non? Il n'y a pas de foot, il n'y a pas encore loin là. Attendez. Ok! Ok, chérie! Yeah! Yeah! Ok! C'est pas mal, nous. Elle nous a voulu passer à la table, une arte. Qui va? Qui va? Nouvelle attaque, nouvel assaut des bandits armés au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Dernière semaine, ça y est, groupe criminel vivant ensemble, yo fin ou mort. Yo pas suspend lancer des offensives contre des citoyens paisibles dans la Tibonite, dans pas peu de choses, dans Solino, dans Delma 24, dans Tabar. On se le rappelle, dernière grosse démonstration de force. Monsieur Vivant Samyo, remonté à février, mars, avril 2024. Nous songez, monsieur Sayo, t'es metté notamment, hein, région métropolitaine Port-au-Prince à feu et à sang. Vous menez des attaques coordonnées contre des sites stratégiques. En d'un pays, ils ont attaqué des sous-commissariats, des commissariats, tribunal de paix, ils ont vandalisé, ils ont incendié, mettez du feu dans la plupart d'entre eux. Ils ont attaqué prison civile de Port-au-Prince, prison civile de Croix-des-Bouquets, ça qui provoquait évasion de plusieurs milliers de prisonniers, parmi eux, il y a des criminels notoires qui, jusqu'à présent, dans la nature, ils ont attaqué un pote, on s'en souvient, etc. Nous avons dit, depuis après l'instauration, nouveau pouvoir, transition qu'il a, même si Gangyo a quand même continué à faire causer dans une série de zones, par exemple au niveau de Mariani, au niveau de Grissier, il n'y a pas de chômage. Au niveau de Gantier également. Mais par rapport avec Jean Satéye, pendant 3 mois, nous sommes cité là, où tu senti, où tu temporisé. Eh bien, depuis le mois d'octobre, là, commencé là, les gangs armés reprennent du service, hein, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Premier gros acte criminel qui fait pendant le mois d'octobre là, c'est un acte qui portait signature base Grand Griffe au niveau de Savien, Tirivière, la Tibonite. Nous songez qui débarquait dans le poisson des branches qui sous Saint-Marc là notamment. Yo touye, yo gâché, yo boulé. Et jusqu'à présent, personne n'est en mesure pour un chiffre exact. Un chiffre sous bilan, moun qui victime ou bien dégâts qui fait pendant attaque nèg Grand Griffe au niveau de Ponsondé. Mais il y a des organisations de la société civile, soit locale ou nationale,
qui fait état de plus d'une centaine de morts. Deuxième semaine mois d'octobre là, notamment dans la nuit du 9 au 10 octobre 2024, nèg a gros am fan foi attaqué à Kaé. Nous songez ça. En pile dégâts fait, il y a monde qui victime. Même là encore, m'a quoi bon monde qui a dit qui ça bilan officiel yoyé. Nous songez menaces qui étaient gagné sous Léogan notamment. Le danger qui était imminent. Et pour troisième semaine mois d'octobre là, qui c'est semaine qui s'est passé à là, bandio ou endiablé, ou dédoublé. 16 octobre 2024, monsieur Obaï coup d'envoi. Démonstration de force ça pour une fois encore. Au niveau de Magloire Amboise, depuis bien bonheur. Nous-mêmes, bon, ici, là, nous avons recevoir des SOS. Côté monde qui était encore habité zone, là, t'as pu attirer attention, nous, sur le fait que gagner des nègres qui lourdement armés, qui investit espace ça, ils ont tiré en pile coup de zame, ils ont boulé caille. Et nous t'as pris dans le Nouvelliste très récemment, il y a au moins un chauffeur moto qui perdu la ville. 17 octobre, nous songeons de gagner une cérémonie au niveau du Champ de Mars, Lupana, dans le cadre de commémoration 218 l'année, la mort des Salines. Et c'est une cérémonie qui pas faite ou bien pas fin faite, genre, t'es prévu à faire là, parce que l'autorité qui était présente, t'as couru, t'as pressé faire ça, tu devines faire, tellement t'as gagné une cartouche qui t'a tiré dans toute. Direction. Et il y a des vidéos qui étaient virales sur Internet là où tu as constaté des conseillers présidents, par contre, si c'était dans un moment, soit ils ont monté drapeau ou bien fanfare, ils ont joué, etc., ils ont gardé sous visage, ils ont envie de courir. Tellement il y a un cartouche qui t'a tiré. Ils ont pas eu qui l'heure pour ça, qui a fait la fine fête, pour monter machine. Et de fait, nous avons en vitesse. Ni conseiller président yo, ni gros autorité dans l'état qui était présent sous chef de massa yo quitté zone ça, même le directeur de la police nationale d'Haïti. Vidéo là, diligence des membres des forces armées, des policiers, etc., machine presque frappe à machine, tellement de gain cartouche qui t'a tiré le matin 17 octobre là. 18 octobre 2024 qui c'était vendredi qui se passait là, autorité yo te prévoit. Eh bien, fait conseil ou bien membre dans le conseil électoral provisoire prêté serment au niveau de la Cour de cassation. Ça n'a pas arrivé fait, madame, monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que, dans vendredi matin, il y a un pile coup de balle qui t'a tiré en bas et tension, t'es wow. Donc, prestation de serment, membre nouveau conseil électoral provisoire, incomplet, qui est lui fait en bas dans la Cour de cassation, il n'est pas fait. Il est obligé d'aller dans l'école magistrature là qui n'a ou de frère etc pour te faire cérémonie. Et c'est pas pour bon plaisir, c'est parce que coup de balle t'a tiré tribo babo bien bonnet dans matin vendredi. Depuis 17 octobre et nous souhaitons noter ça matin jusqu'à hier soir, de très tard, eh bien, Solino, Delma 24, Tabar, notamment Tabar 27, toute zone sa yo, madame, monsieur, c'est principale cible attaque criminelle. Il y a des vidéos partagées avec nous, il y a des gens qui témoignent de nous. Au niveau de tabac même, vous remarquez des dizaines de jeunes gros âmes dans mes yeux. Ils viennent à tirer dans toutes directions. Un peu plus tôt, dans 17 là, nous songeons ça qui passé au niveau de Pouplard. Une jeune fille, elle pas dans la rue, elle pas dans bamboche, elle pas passé dans une zone qui est interdite, elle pas dans une zone rouge.
li dwe chita la kali avec famille, la gade télévision, li pon bal nan tête. Nan wi anglade notamment, un jeune garçon qui me dégain chance côtoyer qui a 31 ans, il prend balle et au voyer vidéo le bon moi m'a regardé cadavre li k'a bennance. Pendant week-end là, moi al prend service dans une institution de la place. J'ai chance rencontrer une jeune dame qui mariée k'a vive avec deux petites li. Quoi gagnon dans petite yo c'est un bébé. Madame monsieur dame n'a quitté Magloire Amboise nous songer dans début mois mars là les nèg yo té définitivement envahi babucheuse. C'est là l'a vive. Li al vive au niveau de avenue Pouplard dans zone yo les zone Caravelle là. Chers amis depuis jeudi dame nan même gens on paquet l'autre monde dans zone là yo pas dormi et dame nan a raconté moi dans les hommes avec un pile désespoir a raconté moi avec un pile tristesse un pile amertume monal comment non seulement li fait deux nuits sous deux pieds a veillé parce que un pile balle a tiré de temps en temps dans des monde dit mais y a venu li obligé mettre la position si situation dégénérée pour le mettre école dehors mais tout si au moins des dames qui côté le braler si jamais la courir il pas fouti dit ou il pas connaît il dit lui même avec famille obligé mettre quelque bagaille important dans machine si au cas 4 mars 14 je juste start machine là veut aller mais il dit ça que puis fait le mal dans situation ça pendant cette nuit cauchemardesque. C'est pas d'être si mon abdomen obligé de temps en temps, chaque fois le senti en pression par rapport avec balle cap tiré et puis mon cap couille vini pour la pleuver si mon abdomen. Pour abdi au météo près. Et m'dou la dame, mon petit, mon bébé. Dame n'a pas raconté ça et puis il dit c'est foutu, n'a pas parlé là d'un jeune socioprofessionnel. N'a pas parlé là d'un monde qui a une possibilité pour te, au moins qui te veille, il dit définitivement, il n'a pas le choix. Ça quand même c'est un cas parmi une quantité d'autres cas de citoyens et citoyennes qui quand même connaissent l'enfer pendant 16 octobre pour arriver jusqu'à hier soir pendant la palais. C'est peut-être une situation un paquet de monde qui habitait dans une série de zones avoisinantes, des monde qui au niveau notamment de Ruelle Chrétien par exemple, ouais. Ou bien de l'autre rue qui reliait avenue Pouplard ensemble avec la Lue. Et samedi mi-journée, tension était tellement haut, il était facile au niveau de la Lue pour te remarquer ça. Il y a des gens qui, avec un pile haine, un pile révolte dans le royaume, qui a envoyé des voix pour te indexer. Des gens qui ont responsabilité pour mettre l'ordre dans le pays. Ils ont exprimé ras-le-bol contre une série de gens qui ont responsabilité pour empêcher que la situation ait retourné. Même gens. Où est photo yo même gens avec moi, on a les hommes. Où est photo guerrier du seul. Des gens qui ont traîné ma lettre dans la main. Petit paquet sous tête, petit monde en bas bras. Et moi, ouais, Ralph te dit, Wall, qui met des captions, ça, c'est pas des gens qui prennent voyager. C'est pas des gens qui sautent en voyage. C'est des gens qui ont couru, qui étaient sous l'ino. Qui pas de côté au bralé. Pour pas tomber en babal bandit, mais qui pas de côté au bralé, guerrier. C'est peut-être du déjà vu par rapport à une série de l'autre zone qui ont même t'es déjà connu pour les bandits, ou bien qui étaient déjà cible, attaque. Criminel, ça y est. Et jusqu'à hier soir, par rapport à vos messages, quand monté sur le téléphone, vous avez écouté nous, à vos diables. Moi, il y a des gens qui ont écrit, nous avons dit nous comme ça, que le journaliste a dit un mot pour nous, mais nous avons mouru. Au niveau de tabac, notamment, a écrit, a voué voice, a voué photo, etc. Moi qui n'ai pas gagné responsabilité
moi qui pas gagner aucun poste décisionnel en de pays, m'a arrivé dormir bien hier soir et m'a demandé est-ce que c'est le cas pour nos autorités. M'daka dit par rapport à tout ça k'ap di yo, tout ça k'ap vini yo qui décrit ça k'ap passé dans zone ça nous sous cité là, est-ce que conseiller président yo rivé dormi normalement avec famille yo et que matin y a paré pour yo mettre vaisseau yo pour relais sécurité yo faire cortège pour aller villa d'accueil pour aller travail. Ma madame, est-ce que Gary Conille chef gouvernement lui-même rivé dormi paisiblement avec probablement madame Ninandol et que matin levé il prend le pari là pour le prendre petit déjeuner pour mobiliser toute sécurité pour prendre direction Delma 60 résidence officielle. Est-ce que on est dans Normil Rameau, le directeur général de la police nationale d'Haïti, par rapport avec toute cri de détresse ça yo, gen chance dormir dans climatiseur hier soir et puis pour lever matin là mettez Red Soleil pour le prendre direction Claircine pour aller dans direction générale la police là. Ça c'est si yo gen chance tandis que nous détresse yo et puis yo décider pas faire cadeau mais quand on t'a demandé est-ce que vous avez fait stander ou tout il va faire la sous d'oreille etc. Ça fait la peine madame monsieur pour encore une fois nous continuer à compter cadavres dans un pays à la condition ça yo. Nations Unies fait état de plus de 3000 monde jusqu'à août septembre 2024 et c'est comme si ça pas assez. Nous continuons d'accord, mon amour est un coup bête dans le pays. Ça fait la peine pour des mouns qui passent des nuits blanches sous deux pieds qui pas qu'à dormir tellement balle a sauté tout côté, passé sous deux cailloux, tombé sous deux cailloux, même rivant dans la caillou. Ça fait la peine pour regarder paquet de mouns qui dans la rue, valise en babra, malette dans la main qui pas qu'on qui côté yo bralé. Cependant, madame, monsieur, n'a dit ça matin. En réalité, c'est pas action vivant Samyo qui t'a doué préoccupé. C'est pas parce que nous voulons minimiser action criminelle groupe vivant Samyo. Non? C'est parce que tout simplement nous pas qu'à atteindre l'autre chose de vivant Samyo. Puisque vocation yo c'est terroriser, puisque mode opératoire yo c'est rentrer tirer touiller bouler kidnapper violer, honnêtement ça va étonner, c'est le contraire qui nous aurait étonné. C'est si nous te levons bon matin et puis tu gagnes des gangs ou bien des chefs de gang au niveau de Vivant Stam qui dit désormais nous décider faire la paix avec la population. Désormais, nous décider déposer les armes. Désormais, nous décider libérer route qui bloqué yo. Désormais, nous pas tirer sur monde, nous pas kidnapper monde, nous pas tuer monde. C'est ça qui était capable surprendre nous. Qui était capable faire étonner. Mais qui dit vivre ensemble? Dit tuer. Dit terroriser. Dit kidnapper, dit violer. Donc ça, malgré moun ki victime yo touché nan fon kèn, mais nous pas étonné. Maintenant ça qui étonne mes chers amis, c'est le comportement de l'État et de moun ki gen responsabilité pour faire l'État marcher. Ça étonne, c'est le comportement de nos autorités, de nos nouveaux dirigeants. Vivre ensemble par une association d'enfants de cœur. Donc nous pas
maintenant tête nous depuis ont annoncé ils vont faire série de bagages que c'est après une blague, c'est après un jeu d'enfant. Mais par contre, puisque ça y aura fait journée jeudi là, c'est des bagages ont été annoncés plus d'une semaine à l'avance, madame, monsieur, au moins nous t'ai fait l'état confiance ça, nous t'ai fait chef yo confiance ça, qui ont été capable empêcher nèg yo lancer nouvelle offensive ça yo, qui ont été capable parer pour réprimer davantage, parce que c'est pas arrêté nèg yo arrêté comme ça et puis tomber si mais la trouble. Depuis plus d'une semaine, le pays a annoncé mais ça va le faire à partir du 16-17 octobre. Et non seulement il a annoncé ça, il a annoncé le publiquement à travers notamment les réseaux sociaux les plus en vogue. Mais il arrive à passer de la parole aux actes, madame, monsieur. Et à ce moment-là, on se demande côté monde qui a une responsabilité pour protéger population yo même yo passé. Est-ce que yo pas tendé ça boue comme yo les gangs yo t'ai annoncé yo pral mettre yon fois encore pays à feu et à sang? Est-ce que yo pas gen chance tomber sur une vidéo, sur une voice comme ça? Ou bien tout yo font choix pour yo faire la sourde oreille, pour yo quitter qu'on pas marcher, yo tellement occupé après que les autres bagages qui pas rien pour avec pays et puis yo tout oublier ça qu'on y a tant du feu à filmer pour yo va chercher côté de l'eau pour yo éteindre du feu alors que tu as possibilité ça provoquer du feu pour te éloigner le danger etc. Et là, là. Autre chose tout puissant on gang puissant, tout puissant, on chef gang puissant, tout puissant coalition vivant ensemble dans puissant, madame, monsieur. Nous certains, c'est pas parce que yo gagne zamna. Nous certains, c'est pas parce que yo gagne munitions. Nous certains, c'est parce que yo joine moun ou travaille avec yo comme soldat. C'est parce que tout simplement l'État bat bas devant gang yo. Ça, moun qui savait où il est dans le premier temps, la faiblesse de l'État. Bon, l'État qui est faible. Ou bien non, l'autre temps, la quasi-inexistence de l'État, sous quasi le conseil, l'État presque pas existait. Ou bien défaillance de l'État, tout simplement. Et même les gangs, même les chefs de gang, ils l'ont bien compris. On fois, dans des yon, qui dit que tout ça, ou a fait là, c'est parce que pas l'État. Et yon gen raison vrai. Parce que si te gagné l'État, ou bien si l'État effectivement te gon certaine autorité dans le pays, mou garanti, un, il tape dans difficulté pour zam rive rentre dans le pays. Et deux, même si zam nan te rentre, l'État tape gen capacité pour rive mettre la patte sous lui pour identifier moun qui fait le rentre et puis arrêter le punir selon la loi. Et si jamais elle t'a passé le rive côté le rive, l'État t'a empêché que nèg la utilise à des fins criminelles. Et si nèg la t'a osé, puisque Haïti pas seul pays côté qui est hors la loi, t'a osé pour mettre un zak avec sac nan men la, li connaît que yon bagay captain ni la gon bagay ki ka rive. Mais si zam rentre nan pays, si zam passe dans série de couloirs officiel pour aller joindre bandi yo, si gen yon de moun nan pi au niveau dans pays a qui a facilité commerce zam nan, si gen yon de munitions qu'al joindre yo sans problème, si la nèg yo fin faire zak que yo fin faire yo replier à l'ambassade bagay écrivé yo, donc yo joindre barrière libre. Donc le fait que yo joindre barrière libre, qui est-ce qui te gagne responsabilité pour t'empêcher que barrière libre? Ce sont nos autorités qui te gagne vocation pour rendre l'État fort, pour l'État faire face avec ça. Mais automatiquement, pas gagner l'État, ou bien l'État gagne toute faiblesse ça. Eh bien, d'accord, gang yo vinn plus puissant chaque jour bon Dieu mette. Parce que yo nan savann nan pou ko yo. Donc c'est yo qui dicte loi yo.
Et pas pour sans raison qui fait jodi a gen de espace pour aller Jean historien Michel Soukart te geta prédit ça ou obligé gen autorisation au chef de gang. C'est pas pour sans raison qui fait jodi a n'importe chef de gang bay tête li ça comme autorité à savoir li gen droit de vie et de mort sur n'importe qui citoyen. Pas pour sans raison. Et jodi a vrai. L'en considéré que n'importe ça nèg la dit non fraction de seconde dit capable passer de la parole aux appareil Gabriel. Bon qui ça pour faut pas quoi l'el jour qu'on ça que pour l'attaquer pour sonder, l'el jour qu'on ça que mon la Tibonite nous mettre Marie Saint-Inon nous pral crier, l'el jour qu'on ça que mon Léo Gagne a venir, l'el dit qu'on ça que Akaye tête frère, l'el jour qu'on ça que Pétionville nous en route. Ou ta ka minimiser non pays par exemple, autant qu'on ait des autorités un qui a réfléchi, qui a une capacité pour anticiper puisque vous dirigez ses prévoirs, mais tout, qui a un moyen tout pour répondre proportionnellement avec Bandi. Mais là, on a un pays côté l'État presque existe de nom ou bien sur le papier. Donc nous sommes tous livrés. Nous vivons à la merci des gangs armés. Autre chose. Avant Johnny Bam lancé SOS pour EDH, il y a un gros du feu dans la rue Alamanda Mon Calvaire. Dans un fil route tension qui gain courant dans moment on a parlé là, mais il y a bail du feu. Donc citoyens dans zone là, mandé EDH pour couper courant dans zone Mon Calvaire puisque gayen un câble un fil courant route tension qui prend du feu dans zone ça dans zone Mon Calvaire. Autre chose messieurs, n'a pas parlé de l'État qui fait ou bien l'État pas exister, ou bien l'État qui a des bandades, ou bien l'État qui fin crasé. Mais ça paraît beaucoup plus inquiétant, d'accord? C'est que bon groupe femme, bon groupe nèg, qui décide, dit yo même, yo conscient que l'État crasé, et que yo propose tête yo, y a vin refaire l'État. Y a vin rétabli autorité de l'État, c'est pas vrai? Mm-hmm. Yo promet que yo ka fè l'État marcher pour remédier à la situation que nous vivons là depuis pratiquement ces 5 dernières années. C'est ça qu'on dit. Mais maintenant, 6 à 7 mois après, je viens de prendre responsabilité de ça, qui ça nous constate? Nous constatons que nous startons la machine là, et puis la machine là prend la même direction, la même route là. Et puis celle qui a comme impression, c'est le chauffeur là, ou bien le chauffeur qui change. Mais même obstacle yo machine a pral là-dedans yo, même mauvais route la machine a pral passer là-dedans yo, même panne machine a débat au départ et même les mêmes parce que pas rien véritablement qui fait comme travail dans machine. Donc c'est juste retirer chauffeur ça et puis chauffeur ça monter et machine a même continuer à dégringoler dans falaise. Je dis à moi même Johnny Ferdinand ou même Ronald des hommes guerriers de seul, nous peut-être apprendre recul pour ne pas faire partie moun jodi a qui envie dit plutôt Jovenel Moïse de la plutôt Ariel Henry de là. Parce que tout simplement nous t'ai toujours été convaincu que l'té administration Martelly, que l'té administration Jovenel, que l'té très récemment là Ariel Henry, yo chaque te gen ti lot dérive pa yo qui te caractérisé mode de gouvernance yo. Donc c'est pas menti, on a fait sur yo. Donc si nous jouons l'occasion pour nous ta dénoncer, pour nous ta attirer attention la République sur ça, n'a pas fait. Mais ou pas qu'à empêcher on ti machin par exemple qui t'a vendre marché Salomon bon discours comme ça. À savoir l'abdou si sous Jovenel Moïse, il était qu'à sorti 15 coffres passer Pétionville pour la vendre ça le poté en dans marché Salomon et pour le remonter sans problème jodi a même la boue dans le bagarre arrivé voir pour t'arriver marché Salomon la dit mieux vaut que Jovenel était là on est dit soir il qui doit dire si l'Ariel était là il était gain droit passer le pays Matissan mais l'est arrivé Marianne il arrivé Grissel pas d'aucun problème pour le faire ou pour la langue grand sud là. Pas étonnant, mon dieu, doit dire
plutôt c'est Ariel qui était là au lieu que était bail moun sa ou vinn prendre pouvoir. Nous pas dire et malheureusement moun sa ou a fait tout ça ou connaît pour mettre dans position pour dire ça, nous pas dire. Parce que pas gain aucun administration ça qui était passé là qui pas descendre pantalon. Cependant, nous devons admettre que entre le Matéli de prendre pouvoir là, il commence à écraser. Passer sous Jovenel, tomber sous Ariel pour arriver là, donc situation vient plus mal. Donc la situation ne fait que se détériorer. Et ça, on n'a pas besoin ni pro, ni anti pour faire constat ça, puisque les visibles, les palpables, on a les hommes. La police annonce qu'il a fait des résistances avec Negadzamio. La police dit comme ça, il y a des opérations qui ont mené conjointement avec les forces armées, avec les membres de la MSS. Il y a un petit problème. Si il y a toute opération ça qui a mené, si il y a toute résistance ça qui ça qui expliquait monsieur Gangyo il fait tout dégâts ça. Est-ce que ça veut dire c'est Gangyo qui est plus puissant que la police? Nous pas quoi. Est-ce que ça veut dire c'est Gangyo qui a plus moyen basé la police? Nous pas quoi. Est-ce que ça veut dire Gangyo plus bien équipé, plus bien formé que la police? Nous pas quoi. Mais pour qui ça très facilement nèg yo annoncé que yo pral simé la terreur en dans pays et très facilement yo rivé fèl et très facilement gè de côté yo pas ka arrivé il y a de cela un an yo rivé investi yo jusqu'à ce que yo jwenn moyen y a boulé kay y a touyé moun y a chassé moun là il y a un problème. Moi même pas pral passer en bas pied les efforts de nos vaillants policiers. On va cracher sous travail peut-être des policiers qui gagnent des volontés en dans institution. Mais jusqu'à présent, puisque au lieu de situation d'un point de vue macro li changer, c'est envenimé, vient envenimé, donc il y a quand même moyen ou bien lieu de questionner si vous voulez ces interventions de la police nationale d'Haïti. Ouais. Comment la police annonce qu'elle sous bel air pendant plus d'un mois l'a mené des opérations et puis avec facilité pour négatiser ma petite belle tomber sur l'ino et yo fait pendant plus passé 3 à 4 jours sans camper. Yeah. Et je le dis jusqu'à hier soir de très tard m'a parlé avec des monde qui dans zone qui expliquer me calvaire yo l'âme mon petit Jean perdu. Parce que nous étions témoins le 8 mars, M. Gangyo était déterminé pour contrôler Champ de Mars. Attaquer le commissariat de Port-au-Prince, attaquer la base Udbo, attaquer le palais national, le ministère de l'Intérieur, la Cour cassation, etc. Mais nous étions, ouais, qui ça la police, était déployé comme j'ai fort pour repousser M. Yo. Et jusqu'à présent, ce n'est pas un viac manqué. C'est-à-dire, c'est une volonté. Pour empêcher monsieur yo arriver à atteindre objectif yo arriver concrétiser rêve yo dans cette même volonté que n'a parlé là qui ça qui empêcher lui appliquer non série de situations similaires quand il est question de protéger des populations de certaines zones. C'est pas jodi a que gagner des menaces sous Solino et pour diable moun Solino pendant des mois. Pendant près d'une année, il a essayé de résister aux assauts du gang de Bel Air. Il a bataille, il a bataille, il a bataille. Et dans un moment, il a dit côté danger a vint imminent. Il a profité de sa légèreté pour côté force l'audio qui était présent dans l'environnement et puis il a envahi. Et je dis à ça donne ça. Et en pile, monde parle de ça. Nous autres, nous renforcer les CIA. Nous dit que une fois Solino ta fin en bas contrôle nèg vivant sans mieux le fait que route Solino a débouché son paquet l'autre axe routier débouché son paquet l'autre zone nèg yo pral gagner la région métropolitaine pour ne pas dire en bon partie dans région métropolitaine dans plamé yo dit ça yo dit même j'ai dit pour Kafoufeuille
yo di nèg yo j'ai quitté situation kafou fè là lui-même la mangomè là si yo pa fon façon pour freiner ça yo pa konn ki formule magique ou t'a pral utiliser nèg yo pral dévaster cette ville là nèg yo pral craser en bail de fête jodi a. Le centre-ville de Port-au-Prince n'existe plus. Bah on se comprend. Donc ça veut dire il y a un problème. Maintenant, est-ce que n'a pas résisté aux assauts des groupes armés, des groupes criminels pour combien de temps? Est-ce que nous avons capacité pour éviter plus territoire perdu toujours? Parce que depuis le pouvoir ça dans tête pays a au lieu de retirer, de réduire, de récupérer un territoire perdu, c'est le territoire perdu qu'on va ajouter. Donc, est-ce que nous allons éviter que Solino, dans son ensemble, vienne un nouveau territoire perdu? Est-ce que nous allons éviter que jodi, même les gens ne peuvent passer dans une série de zones en bas, comme Chavanne, Magloire-Amboise et même Chedmas? Est-ce que nous allons quitter ces zèbres? Je ne vois ça. Il est devant marché Hippolyte. Je ne vois ça, il est en Saint-Cathédrale. Je ne vois ça, il n'y a pas qu'être rouillant dans cette ville-là qui poussait. Dans ces zones, il n'y a pas peu de choses là. Est-ce que nous pourrions quitter définitivement ces bandits, pas seulement dans la perception, mais dans la réalité, qui mène le jeu et qui prend contrôle du territoire tout bon vrai? Moi, je suis perdu dans le faux débat. Pendant yo pa wè jodi a sa ka privé sou yo comme malin. Jodi a mwen wè gen moun ki a lèz pou di moi-même m pa nan koni, moi-même mwen pa nan CPT. Mwen wè de moun ki presque met men kap di yo c'est pour CPT, yo même c'est CPT y a supporté, yo pa nan koni. Ou bien de moun kap di comme ça que yo même c'est nan koni yo ye, yo pa nan CPT a. Et pourtant vrai débat, c'est question wè nous sont à poser là. Comment éviter que n'y ait plus de territoire perdu? Donc je dis à Mme, on est une femme qui dit qu'on supporte une ou l'autre dans deux têtes dans l'exécutif là, à qui fierté, si c'est pas un pays ou régler. Si on est défendre au monde, ou bien on avantage généralement quelqu'un, pas un problème. Et même là encore, faire affaire en silence, pas un du pays en Europe. Mais soit parler de problème pays, soit parler de résoudre problème, soit parler de résoudre crise. Moi, je me on femme, on est dit matin, à qui fierté que le gars doit camper dans l'espace qui a deux ou trois personnes, ou bien le gars doit camper dans un micro, ou bien le gars doit camper dans l'espace public pour la défendre soit le CPT, soit le gouvernement qu'on est. À qui fierté? Parce qu'au final, 6 à 7 mois après, à Odea, 6 mois pour yon, 4 mois pour l'autre. Pas grand-yen te gen la comme situation qui n'est venu dire ok, yon change de donne yo. Pas grand-yen te gen déjà comme problème qui n'est venu dire yon résoud. Pas grand-yen que gang yo te kon fait avant et que n'est venu dire soit jamais gang yo pas fait ça encore. Pas grand-yen. Donc, quand y a l'on moun a venu dire moun ça. Moi je connais, moi je tonton, ou bien moi c'est CPT mieux, ou bien vous connais aller, ou bien vous CPE aller, etc. Bah ouais, coup de fierté aller, parce que l'offre addition, soustraction, multiplication du pareil au même, c'est nullité absolue. Même bagarre. Même bagarre. Yo prend pouvoir pendant longtemps, yo dit y'a venu rétablir l'autorité de l'État, y'a venu mettre Claude la paix. Je dis à même elle là, ou bagarre chance, ouais, dans l'autre là, ou bagarre chance, ouais, dans la paix. Pas mandé m'bout à ouais tous les deux. Un seul coup. Donc, on n'a qu'une fierté. Et nous tellement minimiser, sous-estimer, sous-évaluer ça n'est là comme réalité, ou pas qu'il ça ne réduit les grandes questions de l'intérêt national à un débat autour d'un ministre affaires étrangères. Je dis à un groupe même qui finit enragé avec une campagne agressive pour faire comprendre que Messia c'est Madame Dominique Dupuylier. Qu'il faut comprendre que c'est la première fois Haïti au ministre comme ça. Il y a bataille et puis en face là, il y a l'autre groupe qui dit Dominique Dupuy, son bluff, son disons date. Et puis il y a fait guerre de communication. Chaque monde a défendu le campagne. Mais bon, je me dis non, bah, matin. Et je me fais échanger ça avec mon ami en privé. Dominique Dupuy, je dis à son pape, il faut émission sur lui, mais c'est une fenêtre.
nous qui paraît comme gros ministre ou bien qui paraît comme vedette dans le gouvernement Gonel. Nous t'entendons moins sur ça avec un ami avisé qu'on a habitué à changer. C'est la preuve que le gouvernement ça pas réglé rien ou bien le pouvoir ça pas réglé rien au regard de ça qui n'a fait de route. Si tu as des super ministres, des ministres vedettes vrais dans le gouvernement, ça, qui ministre tu as? Le ministre de la justice et de la sécurité publique. C'est ministre ça que tu dois pas être un gros ministre ni à travers les faits, à travers les résultats. Si tu es un gros ministre dans le gouvernement ça, pour te sentir que transition a bougé col par rapport à ça rien comme mission, c'est un ministre de l'intérieur. Malheureusement, c'est chef gouvernement qui occupe le portefeuille ministériel encore. Vu le rôle du ministère ça joué dans la sécurité intérieure pays. Non degré moins comme yo impliqué l'armée jodi a nan ba yo. Si t'as de bon ministre qui fort, c'est défense. C'est capable ministre défense tout. Mm-hmm. Mais jodi a c'est Dominique Dupuy. Dominique Dupuy pas parce que li rivé à le convaincre négocier etc. non, vous comprenez? Et parce que gagne deux groupes en face. Bon groupe qui dit c'est Dominique lié tonton. C'est comme si la libération d'Haïti a passé nécessairement par Dominique. Donc, s'il n'est pas Dominique, il n'est pas bon. Il y a un monde qui dit Dominique n'est pas bon, son bluff, etc. Il faut qu'il dise. Par contre, vous comprenez. Donc, c'est la preuve que pour voir ça, pas grand sérieux. Même sous priorité, il n'est pas capitalisé. Par contre, vous comprenez. Et je dis, ça passe le 17 octobre. Là. En bas, ça passe. Dans différentes zones, nous sommes cités là, où t'as pour Solino, Delma 24, Tabar 27. Li montre, monsieur dame pouvoir ou clair que le problème ça yo pour résoudre, c'est pas dans la communication et dans la propagande. Bam tout profiter de dire, mettre Carlos Hercules au passage, ministre de justice, si ce n'est pas peuple dans la bêtise avec cette question de renouvellement de l'état d'urgence. Très récemment, là, yo renouvelé le bon mois encore jusqu'à 3 novembre. Au regard de l'arrêté 30 septembre, là. Si ce n'est pas passé, peuple a la bêtise. Par contre, je comprends. Qu'est-ce que vous faites dans le moment ça? Quelle décision vous prenez? Pas quand il y a un état d'urgence, là, vous dites respecter. Au contraire, pendant l'état d'urgence, il y a plus de territoire qui vient perdu. Pendant l'état d'urgence, oui, 100 moun yo mouri et plus et dans la Timonite. Et pendant l'état d'urgence, oui, il y a fait face à ce Jolino. Et pendant l'état d'urgence, oui, pendant que tweet, pendant que des déclarations que faites qui te dit nous avons contrôle en bas, nous avons couru en bas lui le 17 octobre là. Dessalines, malgré 218 l'année après, il va arriver reposer en paix, non? Ou nous avons déposé un jet de fleurs en mémoire de l'Empire Mibana, en bas cartouche. Donc, nous montrer que cette question de reprendre contrôle ou bien de prendre contrôle en bas son bluff. N'est-ce pas installé KEP, à vous êtes cartouché, pas installé non. Fait, m'a prêté serment dans la cassation, vous êtes cartouché. On a des hommes. Yeah. De quoi on parle? Là, on parle dans la cour de cassation. La cour de cassation? Yeah. Yeah. Il y a fait l'école magistrature, oui. Alors, vous rappelez que dans l'état d'urgence qui renouvelé pour 3 novembre, là. Et il y a une décision forte, c'est que, n'est-ce pas dit que, alors, le gouvernement dit que, moun, pas qu'à circuler avec ZAB. Sauf agent fonction publique qui est dûment et autorisé pour ça. Et je dis là, gang yo circulé à exam, yo jan yo vle, yo fait ça yo vle, attaquer côté yo vle, jan yo vle. Maintenant, comme on a dit tout à l'heure à la Johnny, mais faut se retourner sous lui. Cette histoire de alibi que la plupart du temps les gars évoqué pour expliquer que l'État son l'État qui est faible, et l'État pas les moyens, etc. Moi, je pense que ça son parole pour faire mon dormi. Et son parole tout pour encourager la question de gangstérisation dans le pays. Parce que je parle avec un diplomate qui explique que cette histoire de l'État faible n'a pas existé qu'un côté dans le monde. Là. Pas de question de l'État faible. L'État supposé toujours fort et quel que soit le pays qui a l'État toujours plus fort parce que toute force qui en donne. Ouais, diplomate l'a expliqué ça. Il dit que pas de question de l'État faible du tout. C'est de disposition pour l'État à prendre. Et mettez les grands moyens disponibles pour que le fait disposition ça eux-mêmes yo appliquer. Pas bon la caille qui j'en sais. Moi me constate que très souvent à chaque fois qu'on a plaigné pour des bails qui pas marché ou même river jeune de lutte populaire qui fait pour un changement au niveau de l'État, mais on constate que
si problème nan parité même bagay la, li vin empirer par la suite. Et ça permet moi poser tête moi question qui m'est invisible qui derrière l'état que le nèg ak femme ici monter sous pouvoir, yo pa ka dénoncer et puis ka manigancer de bagay comme ça dans pays hein, pour permettre que situation toujours été mangomé gens que lié et même pire puis devant. M'a regardé là, n'ta doit qu'on ensemble de l'autre baï. Mais moi que très souvent l'état c'est en parole que le gérer population. En parole dans le sens que me rappeler me dit qu'on DGPNH qui dit que récréation en fini, mais je dis là on a comme l'impression que cloche la beaucoup sonne puisque gang yo continue à ferrailler et bandi continue à attaquer, à défier la police, défier institution l'état et cetera. On vous fait dire qu'on a l'école laguée. Hein? On vous fait dire l'école laguée. Dans la place récréation finie, l'école laguée. Maintenant, on a regardé. Par exemple, problème si tu as la cam. Et puis dans des feux d'artifice tout côté. Et puis pendant journée, moi li que ministère de la justice on notre limite dehors qui dit tenant compte de conjoncture difficile etc. à côté que cartouche a chanté bah comme ça ils ont interdit question feu d'artifice. Mais mes amis, pas bon soir non feu d'artifice pas que on est tout côté bon notamment dans zone bola kay moins. Vous comprenez? Maintenant l'autre bar encore. L'autre bar encore. Et qui ça par exemple qui empêchait que l'État prend des dispositions? Parce qu'on a parlé de question concept l'État faible là, son façon pour encourager et gang marcher sous fiel population, marcher sous fiel pays. Parce que m'a regardé par exemple, m'a fait une approche comparative. Salvador avec Nayib Bukele, c'est pratiquement deux mandats. Nayib Bukele bay tête les visions que l'a monté, l'a combattre gang etc. Et puis li prend les dispositions qui s'imposent pour que li adresse problème là et puis li dou que pour sécuriser pays ou bah ça pas gain prix. Est-ce que vous même sous délever 3 cas budget là ou bien tout budget consacré la sécurité nationale là, donc c'est pas mauvais quelque part. Mais ici gon tolérance gon pas qu'on est non, c'est comme d'arrêter ça, pas veut dire acquaintance mais gon sitirance entre l'État et gang nan, qui permettent que l'État d'un côté l'abjéré bah là en parole et puis de gang lui même l'abjéré population en action. Ouais, qui meilleur partenariat que Dakar fait je dis là pour combattre gang nan, force multinationale ou bien et proposition que Nayib Bukele était fait nous voulait de combattre ça puisque lui même lui fait expérience dans la caille lui joue un résultat. Mais qui choix qu'une fait nous font choix force multinationale qui résultat concret? Zéro. Vous comprenez? Et nous avons souligné ça off the record. On force multinationale, mes amis. Mais moi, je le renouveler. Pendant que le beaucoup j'aime qu'il effectif sur le terrain, non? Il est beaucoup complet. C'est pas combien là? 410, 420, 430. Oui, il y a 10 qui sont entrés dans le week-end. Il y a un gosse qui fait tout à l'heure sur 6. Oui, il y a 6. Oui, mais 406. Ça y est, policier ou bien militaire? Expert. On garde aussi. Vous comprenez? Mandat force la renouveler. Pour un an encore, pendant que force la beaucoup jamais effectif sur le terrain. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que vous avez l'os, pas qu'on est. Est-ce que les gens qui sont dans l'État, est-ce que vous n'avez pas franc parler avec la population pour expliquer que il y a des difficultés? Il y a des difficultés qui empêchent que l'État prend les grandes décisions et les décisions qui s'imposent pour que vous attaquiez la question insécurité. Pour que vous attaquiez en pile l'autre question encore qui c'est de corollaire à la question insécurité. Hein? Parce que moi, franchement, mon tijan perdu par rapport à ça. Qui ça qui empêche que les grandes dispositions prennent, les grandes décisions prennent? Nous aider l'État faible, nous baguer moyen, marcher plein de tous côtés. Vous comprenez? Nous gagnons 9000 policiers là, alors qu'il en faut 53000 pour que nous arrêtions ces situations. Nous ne pouvons pas prendre les décisions normales. Nous avons l'académie de police, nous gagnons l'État, nous gagnons un partenariat avec une signe, mais qui résultat concret? J'aime ces questions, ça me donne à me poser. Et question parole, moi-même, entendu au trop. État d'urgence. Mon bluff encore, état d'urgence. Seul agent en fonction publique qui a circulé avec ZAM, agent qui est autorisé pour ça. Bon, mes amis, comment gang n'a circulé tout côté avec ZAM? Parce que c'est un agent public. Non, mais c'est parce que c'est un agent public. Oui, c'est donc que gang n'a besoin d'autorisation pour le circuler. Oui. Examiner lui-même. Mais monsieur, fan sérieux avec lui.
On sérieux vraiment, parce que bah, l'antichrist c'est dépassé. Jean Saul Abdil, là. Au regard de configuration, ça vient pas nous ramasser qu'on a parlé là. Qui ça qui est primordial aujourd'hui là? En attaque tel ministre, en ceci. Alors que monsieur supposé harmoniser relation yo, et puis garder qui meilleure formule pour que yo attaque problème ça qui a tracassé population. Mais c'est pas ça. Yo dit la diplomatie dans la rue, ou bien diplomatie en gain de tête, li gon tête CPT, et puis il gon tête et gouvernement connu. La fête dans jeu correspondance dans tweet. Donc de grâce monsieur, ne fait pas ça aux enfants du bon Dieu. Alors, on va ajouter que tellement monsieur pas bay question sécurité à importance dans budget national là. Nous pas dit éducation pas mérité l'eau. Mais c'est éducation qui gagne le scope là. Elle dit pendant que tout le monde pas à l'école. Pendant l'école, non pas qu'elle zone bac à l'ouvrir, c'est éducation qui gagne plus à cause de sécurité dans noter. Oui, à cause de sécurité. Moi je comprends non. Pour qui ça c'est pas défense. Pour qui ça c'est pas ministère justice. Qui est la police en balle. Bon, peut-être que tu es capable de toujours augmenter, mais pour qui ça n'a pas gagné, on focus qui fait sous le ministère SAO, qui gagne la police en balle, qui gagne l'armée en balle. En bon exemple, pour montrer que pas de volonté ça va parler, il y a deux projets d'écrit là qui doivent en discussion et puis adopter là pour faire de l'un décret pour capable au moins agir sous volet sécurité. Le bloqué. Détail, oui, on a discussion là, on s'est pété avec Mathieu. Oui, c'est d'abord projet décret qui t'a doué pour tes créations à Conseil national de sécurité. On a expliqué ça déjà la semaine dernière. Son débat de leadership, oui, qui est-ce qui peut contrôler l'UE? Est-ce que c'est le Premier ministre là? Est-ce que c'est CPTA? Oui? Yeah. Et l'exébé de dit Premier ministre déjà un CSPN, là, donc si on l'autre entité, c'est là de eux-mêmes. L'autre projet décret encore concerné et fonds spécial. Au fonds spécial pour question de sécurité. Oui, pour capable de mobiliser l'argent pour sécurité. Mais c'est des documents qui sont en souffrance. Non, mais ça n'est pas important pour les gens. Alors, il y a simplement à faire un jeu de correspondance, dit chéri de l'amour, ça écrit, ça répond. On comprend, l'être là pour arriver, il y a sur les réseaux sociaux, les médias qui sont en bail, etc. Pendant ce temps, pour arriver, il y a un monde qui doit le venir. Et c'est ça qui a réglé. Et malheureusement, c'est nous autres seulement qui décidons pour nous organiser. L'État comme ça. Nous avons expliqué ça tout à l'heure, et les gens qui peut-être savent, les gens qui sont plus avisés par ce niveau comme ça, il y a l'État comme mode d'organisation politique centralisée, ok? Et il y a des gens qui doivent intégrer le système ça pour faire l'État marcher. Mais je vous dis, nous ne sommes pas ni l'un ni l'autre. Ou bien nous avons des pseudos qui viennent là, ou bien au départ, l'impression que tu as fait l'État marcher, puis ça ne fait pas rouler. Au contraire, on vient affaiblir l'État davantage. Et c'est le même modèle d'organisation de l'État ça, qui te doit l'État force pour imposer loi, pour imposer règle. Et c'est peut-être ça oui, qui fait que nous parlons de faiblesse de l'État. Parce que l'État n'est pas en mesure de répondre avec ça. Par contre, vous comprenez. Et je crois que Max Weber, qui est son sociologue, qui dit ça, que l'État est une entité politique qui a une obligation, si vous voulez, pour conserver le monopole d'usage des victimes de violence. Mais je dis à la soirée, regardez par rapport avec Asso Gang. L'État perdu monopole de la violence légitime. Donc, est-ce que l'État va exister? Est-ce que l'État faible? Est-ce que l'État dysfonctionnel? Peut-être nous quitter ça à monde qui a réfléchi l'État, qui a pensé l'État, yo, à monde qui vous savez, même répondre sur ça. Mais je dis, nous croyons qu'il faut que nous inquiétions. Nous croyons qu'il faut que nous inquiétions. Inquiétons parce que nous savons pertinemment de quoi sont capables les gangs de vivre ensemble. Bon, bah, me dit il y a un peu plus de an, moi ouais, un blogueur qui est retourné avec lui sur net là. Me dit mon yo pas courir. Mais l'aime dit ça, gen moun qui t'ai pensé c'est bohème zout bohème ou bien c'est fou de fou parce que dit comment gang a pas ta conseil des autres pour Johnny a dit mon yo pas courir. Qui ça me dit mon yo? Me dit mon yo pendant m'a dit yo biga courir même pas dit yo rete pour gang douyer. Pour qui ça? Si vous remarquez depuis le monsieur gang a frappé yo chaque fois yo attaque un quartier et que moun qui était dans quartier ça yo courir il attaque un autre quartier et gen moun qui était dans quartier avant qui vient dans quartier après qui a courir pire.
Et à mesure que mon a progressé, à mesure que gang a progressé. Si c'est gang Gravine, gang village de Dieu qui t'est frappé dans zone en bas là, et puis mon a décidé lui dit li pral habiter avenue Poublard, il va habiter dans zone, il va habiter sous Lino, gang Belé a frappé, ben gang Badelma a frappé. S'il décide à l'habiter et Tabar, n'a qu'à se mauser ou frapper. S'il décide de dire la montée zone Torsel, Perdi, etc., n'a qu'à éviter l'homme de frapper. Donc ça veut dire, population en citoyen, vient à courir éternellement. Moi, je me dis, on a que si c'est pas un goût, parce que yo pas prendre 4 jours là-dedans, Jodia, il a pris le demain. Yo pas attaquer le Jodia, il a pas attaqué le demain. Je me dis, mon yo, comme conseil de espace, que n'a yo même. À sécuriser puisque c'est là il travaille, c'est là où était espace public. Yo. Si nous n'avons pas capacité pour nous résister avec gang, yo, allons dans l'espace ça va le réfugier. Je me dis ça clairement. Je me dis. Puisque sous par côté de nous travail, côté de nous bureau, côté de nous aller chaque matin, c'est pile sécurité. Eh bien, que peuple a là pour un petit repos en attendant que nous mettons sécurité dans le quartier pour nous retourner. Je dis à même dans l'abri provisoire, yo, moun yo pas en paix. Parce que des établissements scolaires qui gagnent des déplacés internes là-dedans, nous décryptons des articles avec l'équipe Aibo Posta, yon là-dedans, vous expliquez. Même pour séparer manger, pour passer à manger, il faut gagner autorisation chef gang. Et les manger arrivent dans le centre pour séparer l'autre des boules avant. Yeah. Donc ça veut dire, malgré moun yo couru, quitter la caillou, yo vini dans l'espace, yo, yo pas de tout repos. Et nous, avons tendance qu'on y a là, qui s'attend à ce n'aille. Nego ravager centre-ville là ou est tout business qui était dans centre-ville qu'on y a là y a monté ça qui vient la lue ça qui vient Bois Vernard ça qui vient oui El Jérémy etc. monté toujours même bon garanti si demain matin un pas grand rien qui fait pour récupérer espace en bas la ville là deux pas grand rien qui fait pour protéger ça là et ben si ça on va le remonter pas pas le remonter non pas le monter plus haut et qui sait il y a privé Boudon, il y a privé Petionville, et de fait, pour pas qu'il y ait un business en bas qui a eu comme alternative, c'est soit après le business dans la ville de Petionville, ou bien mettre un surplus à le business dans Petionville. Et bien, je dis, Petionville n'a pas parlé là, il fait face à deux réalités. La première réalité, c'est que il y a un risque pour une explosion démographique là. Parce que Petionville qui gagne là, qui a tout le monde, qui a sorti Carrefour, qui a sorti Centreville, qui a sorti Badelma, etc., il n'y a pas de Paris pour ça, il n'y a pas de configuré pour ça. Business qui peut être absorbé dans la ville qui vient là, il n'y a pas de pari pour ça. Yeah. Mais deuxièmement, sous temps des gangs qui parlent, nouvelle convoitise qu'on y a là, c'est Petionville. C'est Petionville. Parce qu'ils ont estimé que Petionville doit à l'aise, donc il faut qu'ils viennent à l'aise. Yo. Il y a quand même de quoi s'inquiéter. Par contre, vous comprenez. Yeah. Mais nous devons inquiéter beaucoup plus. Ce n'est pas même nous vivons ensemble, ce n'est pas même nous gangs, ce n'est pas même nous criminels. Yo. Il y a de quoi à s'inquiéter beaucoup plus. C'est parce que les gens qui là pour empêcher les gangs de prendre le large comme ça, les gens qui là pour empêcher les gangs de continuer à étendre les tentacules comme ça, ou pas senti, je ne dis pas, les gens eux-mêmes ont fait de réalité son priorité. Si bien que je dis, ils ont livré une véritable bataille acharnée pour le pouvoir. Et puis du coup, vrai problème, yo vin relégué au second plan. Et c'est ça, je pense, qui t'a dû inquiéter beaucoup plus. Ou te gen doit dire, gang, ou te gen doit gagner intention, hein? Gang, ou te gen doit gagner volonté, hein? Gang, ou te gen doit tenter, oui? Mon tap dit tout, ou qu'on a besoin d'une réponse appropriée, une réponse proportionnelle. Mais qui est-ce qui est capable de camper pour une réponse à la population? Hein? C'est le monde qui est dans l'État, ou bien c'est l'État? Mais je dis, si nous tenons compte de toute description de faire du modèle de l'État, ça n'est là, nous pas foutu dit qu'il y a une capacité. Donc on a nous juste rester à la merci gang yo. Qui a décidé de dire bonjour dia n'a pas attaquer, demain n'a pas attaquer, n'a pas poser, n'a pris la femme bagaille. Et parce que c'est ça que tu as dû inquiéter. Oui, faut qu'on inquiéter par rapport avec tout ça gang yo fait dans pays. Tout annonce y a fait. Tout ça yo dit. Mais il y a de quoi s'inquiéter beaucoup plus par rapport avec modèle nèg qui dans transition là qui plus paré pour yon touyer l'autre. Pour qu'a joindre plus espace dans pouvoir au lieu de concentrer yo sur les vrais problèmes de ce pays, dont la question de sécurité. Et bonjour tout le monde.